paquet kidnapping qui a augmenté là dernier temps ça yo dans pays surtout dans zone métropolitaine Port-au-Prince. Nous apprenons que bandits dans niveau Matissan yo enlevé ben kidnappé hier mercredi bien bonnet dans matin directeur départemental ministère travaux publics et transport communication qui c'est monsieur Wilbert Basile et chauffeur li Ernst Mentor Joseph Emmanuel. D'après information qui est disponible de moun sa yo yo t'a rentré Jacmel dans moment que Assa yo kidnappé sous route Matissan employé dans service direction MTPTC dans sud-est pays hein, exige libération mais monsieur Wilbert Basile et chauffeur li qui c'est Ernst Mentor Joseph nouvel enlèvement monsieur Wilbert Basile qui chauffeur li qui li vraiment été secroué li était vraiment bouleversé employé MTPTC dans le département sud-est pays hein, et même jeudi mercredi là employé ça a quitté organisé mobilisation fort mouvement en dehors des service direction départementale MDPTC dans sud-est pays pour exiger libération monsieur Wilbert Basile Akachefeli qui c'est Ernst Mentor Joseph et après faire qu'on est là mais faut il a continué mobiliser jusqu'à ce que j'ai une libération monsieur Wilbert Basile avec Chauvelli côté Neg Matissan enveli hier mercredi qui c'était 1er septembre bien bonnet la matin à niveau Matissan toujours dans dossier kidnapping gain Neg Axam qui kidnappé mardi 31 d'août là assistant directeur réseau Banque Nationale Crédit Leslie Auguste la vie s'est exigé une somme qui évaluée à environ 1 million de dollars américains à 20 millions de gouttes pour capable libérer monsieur Leslie Auguste d'après une source nan niveau BNC. Leslie Auguste kidnappé environ 7 heures dans soir dans rue Pavé mardi 31 d'août là après le fin quitter bureau li. Jean dit la ravisseur exigé 1 million de dollars avec 20 millions de gouttes pour capable libérer le négociation yo a poursuivre avec ravisseur dans l'idée pour yo capable baisser prix montant yo exigé après même sous ça nan niveau BNC. On a toujours été dans sa qui pour avec cause kidnapping à nous apprendre gain ancien chanteur groupe Gabel qui c'est Monichi yo kidnappé dans commune Tabar et dimanche passé là zak enlèvement yo qui continue à augmenter chaque jour dans société à côté Monichi et ancien chanteur groupe Gabel et puis 5 étoiles bandi kidnappé le dimanche passé dans commune Tabar pas trop loin la Kaili Jean Junior Marcellus dit Monichi c'est lui même qui était bandi enlevé dans un caradeux tout près la Kali côté il trouvait la commune Tabar monsieur quitté dans machine ni dans moment que bandit armé jouk lance dans rivé sous lit et puis enlevé lit aller avec lit d'après ça un proche victime l'a rapporté avec sa nouvelle radio méga ravisseur qui mandé une rançon de 1 million dollars américains pour capable libérer Monidji les mêmes qui c'était ancien chanteur groupe Gabel à 5 étoiles et famille Monidji qui dit yo pas gain somme l'argent ça pas gain l'argent ça dit tout pour être capable et pour libérer les amis familiaux proches yo yo mandé avec ravisseur pour capable vraiment tendre que yo pour libérer Monidji et libérer tout le monde qui nan men yo et puis yo mandé avec autorité concernée tout pour capable prendre toute disposition pour freiner sa question kidnapping dans pays cap remonter et permettre que tout le monde que yo enlevé yo enlevé yo que situation ça li pas retourner augmenter dans société n'avancer là avec toujours causer insécurité et que la police qui lui-même travaille sérieusement selon DGAI et la police non n'a venu avec information si la jeune dit non la police qui t'a cherché coucher fou citoyen ça policier ça qui c'est Angelo Gentil et finalement la police a posé la patte sous tout ça hier mercredi la police qui t'a cherché policier ça qui t'a un mandat d'amener derrière lui pour présumer implication dans l'assassinat policier Mitil Pierre Richard qui t'a affecté avec unité Udmo qui t'a la ville n'a date quitté 22 mai 2021 mais policier Angelo Gentil que la police a arrêté lundi 30 août là sous aéroport monsieur était dans machine ni côté machine Nissan Pathfinder qui l'année 1998 tout ça qui c'est Angelo Gentil a été gain avec dans machine là il y a un autre policier qui relé lundi au Snell et un membre force la médaille d'Haïti avait dit un soldat la médaille d'Haïti qui relé Anak Roger et un autre individu qui relé Saint-Il Fedner tout
tout nèg sa yo te gen zam sou yo. Selon ça la police dit que écrit sur compte Facebook que tout nèg sa yo te gen zam sou yo et la police a posé la patte sou yo. C'est agent direction centrale police judiciaire de CPJ qui arrêté nèg sa yo. Yo jwenn tout nan machine nan, machine Angelo Gentilian, yo jwenn yon gilet pare-balles, yon casque balistique et yon képi qui gagnait qui marqué la police sou li. Kounya la Angelo Gentil et puis le policier ça qui c'est exactement lundi hostel Anak Roger membre FADH là et puis citoyen ça Saint-Il Fédère yo tout nan main la police. Mais n'a dit encore que un policier Angelo Gentil la police t'a cherché couche info pour présumer implication dans la mort ancien policier Mistal Pierre Richard qui était affecté dans unité départementale métier d'ordre qui c'est Udmo dans date qui était 22 mai 2021. N'avance la l'autre information côté que gagne président tiré sénat Joseph Lambert hier qui était décidé rencontrer la presse dans hôtel dans Pétionville. Joseph Lambert qui parlait sur divers sujets mais parmi eux question insécurité qui prend j'arrête en dans pays. Ouais, question insécurité a gagne président tiré sénat pour que Joseph Lambert qui dénonce phénomène ça, il dit qu'a augmenté chaque jour surtout les kidnapping qui recommencer. Joseph Lambert critique autorité concernée, il dit qu'il pas fait rien pour résoudre problème ça alors que l'a empiré. Sénateur Sidé a mandé autorité concernée aussi suspendu à insécurité pour ne pas continuer à dérailler en côté et déclaration de la micro Peter Sonblaise. C'est à chaque fois que nous disons des bagages, nous ne pas jamais prendre au sérieux. En 2008, nous avons prédit déjà ça doit arriver. Nous avons dit que faut que l'État évite que question kidnapping en jouette là, par une amplifiée, et puis pour ne pas contrôler. Le 1er janvier 2008, au Gonaïve, j'ai eu à déclarer, et c'est moi qui t'ai dit là, premier, et moi, je suis content que je me fais écolo. J'ai dit que les kidnappeurs doivent être traqués comme des bêtes sauvages jusqu'à leur dernier retranchement. Moi, j'ai quitté question aller. On a kidnappé le sénateur Richer. Nous sortis dans le nous et nous faisons remettre nos richers sans payer ou payer. Je dis à. N'en jouer avec l'insécurité, n'en jouer avec l'insécurité, à l'insécurité à remonter jusqu'au président de la République. Jusqu'au président de la République. Ça veut dire que ce n'est pas un jouet. Question de sécurité, nous ne sommes pas capables de jouer avec lui. Nous ne sommes pas capables de jouer avec le monde qui impose l'autre vivre. Mais si tout le monde doit replier sous vous, et que vous comprenez qu'il faut que l'autre vive et que vous avez un droit, vous ne serez pas non plus emmerdé. Mais que le pays a retrouvé calme et sérénité nécessaire au niveau de tout foyer pour que pas de personne monde qui peut sortir aujourd'hui parce que madame ou pas connaît soit rentrée plus tard. Et voilà, déclaration président Tires Sénat Joseph Lambert hier qui était à côté de la presse, il était parlé sur divers sujets. On a venu avec l'autre déclaration Joseph Lambert lui-même, l'été fait pendant conférence il a n'a prêté n'a regardé là n'a font river dans commune Kwalebouke Jean te dit dans titre journal là. Hier là, il y a un bon parti dans commune Kwalebouke qu'on a une journée tension mon divers localités, ti machine qui t'a dégagé au même tout yoté connaît. Il y a une journée tension dans commune si là, commune Kwalebouke yo même qui je dis à longtemps que tout le monde connaît c'est une commune paisible calme pas vraiment grand décédé situation la donne et bien situation commencé à changer dans niveau commune ça côté population lui-même li livré à lui-même c'est gang armé cap théorisé population nous apprendre depuis après la mort citoyen ça Cal Henri Pouyo lundi passé là que tout le monde connaît sous nom ça déporté côté mais lui-même stable qui c'est un gros bandit dans Kwale Bouquet a dirigé un groupe armé bien côté n'apprend nek 400 maozo qui t'est fait Canari Poyo dit déporté bouet le bouchli et lundi passé là ça veut dire monsieur perdi la ville tout émissié mais situation ça après là moi monsieur et depuis là ça situation vient très compliquée pour monde qui dans presque diverses zones dans commune Kwalebouke hier mais centre ville Kwalebouke il y a gros tension là-dedans en pile coup de balle tape chanté temps en temps dans ville ça et hier mercredi matin en tout il y a gros tension encore dans ville pendant toute journée hein machine qui t'a dégagé dans petit commerce activité était obligé courir plier bagage pour éviter que yo pas frappé mais tomber en babal bandi mais touché en babal bandi et bien pile habitant dans commune Kwalebouke yo mandé avec autorité concernée pour prendre toute responsabilité yo pour empêcher situation ça lui-même li continuer mais surtout dans zone côté gang déporté étape dirige qui c'est qui relé la serre dans zone ça qui une localité tout dans dedans commune Kwalebouke et qui t'a confronté coup de balle là avec monsieur 400 ma Roseyo situation ça qui risque augmenter
augmenter chaque jour dans la commune Croix des Bouquets. Nous allons venir avec l'autre information, toujours dans le journal là, côté ancienne première dame nan, Martine Moïse, veuve de Marie-Lie Jovenel Moïse, Miguela, Martine Moïse qui bat une interview avec Agence Reuters. Ancienne première dame Martine Moïse qui réaffirme sa nille intention li volonté pour tal potil comme candidat dans poste président dans la prochaine élection. Nous interview avec Agence Reuters, veuve ancien président Jovenel Moïse dans Martine Moïse, demandé avec le premier ministre pays Ariel Henry pour prendre toute disposition pour garantir sa nille stabilité de pays et pour convoquer sa nille élection de pays pour réaliser l'élection de pays pour peuple capable à remplir des voili et non tant qu'il pas trop long. De l'autre côté, Martine Moïse li mandé support international pour permettre que le capable joindre justice pour Marie-Lie que qui assassiné dans pèlerin 5 la Caillou dans date qui était 7 juillet passé. Selon cette première dame Martine Moïse, li important pour que enquête sur assassinat Marie-Lie li avancé et autorité policière judiciaire capable joindre tout coupable, identifier coupable et punir comme ça doit pour crime ça qui fait sur Marie-Lie, eh bien pour que en payant capable de justice. Toujours sous même dossier, ça a gagné coordination groupe initiative protestant Haïti avec diaspora pour résolution crise d'art qui rencontrait la presse ailleurs pour dénoncer une ordonnance doit être tribunal premier instance. Patron presse en maître Bernard Séville mettait dehors dans le cadre de requête avocat pasteur Gérald Bataille avec Gérald Forge qui fait des ventes pour casser mandat. Une ordonnance politique d'après président réseau protestant Cap défend droit Mounio, pasteur Saint-Pierre Disney qui a les plusieurs exemples pour justifier ça à coup de façon droit. Ayant été réfugié, appliqué à l'article 87 du Code civil, là, j'ai été fait dans plusieurs dossiers. Plus de détails dans le micro, Jean-Philippe Massé. Comprendre comment politique empêche droit vraiment faire chemin. Qui ça, doyen, fait? Doyen, il rend ordonnance, et mais qui ça dit dans l'ordonnance? Mes amis, attendez bien, oui, la presse. Attendez bien, citoyen, pays ça. Attendez bien, juriste, avocat, dans pays ça. Doyen, il soit sorti ordonnance sur habeas corpus. Étant des conclusions. Par ce motif, les doyens faisant office de juge d'habeas corpus, il n'y avait pas de requête sur habeas corpus. Et je vais expliquer. Dit qu'il ne peut pas statuer sur les demandes contenues dans le dispositif de l'acte introductif d'instance, compte tenu du fait que le commissaire du gouvernement de ses ressorts n'a pas conclu. Mais là, mesdames, messieurs, alors que le jour même que doyen a attendu que le commissaire gouvernement n'y pas présenté, monsieur m'a des défauts contre lui. Or, commissaire doyen connaît très bien, pas qu'à m'a des défauts dans le cas habeas corpus. Mais ça qui est drôle dans l'affaire, jour ça, côté doyen a attendu l'affaire, tu as gagné deux grandes séances. Tes grandes séances extraordinaires en habeas corpus. Doyen a fermé séance extraordinaire là, par une ordonnance. Et il mettait fin, il a attendu l'affaire et mettre coq là. Et puis, quand il y a l'hiver, ouvrir séance ordinaire. Là, côté affaire panou a été évoqué et retenu, chers amis. Et voilà qu'on y a doyen l'a montré que son dossier en habeas corpus. Et ça qui doit encore, mes amis, comprendre. La loi fait doyen obligation dans le cas habeas corpus. Quand le commissaire du gouvernement, quand l'un des substituts pas représenté, l'article, eh bien, sans l'article 87, code procédure civile là, mes amis, il dit ça pour doyen en fait. Et dans le cas ça, on a demandé doyen Bernard Saint-Ville. Dans le cas ça, pour qu'il ne soit pas appliqué l'article 87 là, qui ça lui dit, en cas d'empêchement ou d'absence des officiers du parquet, le président de la cour ou le doyen du tribunal désigne un juge pour faire office de ministère public. Pour qui ça, l'idéal n'a qu'à avant yo. Pour qui ça, si c'est habeas corpus, il pas appliqué à dire ça. Et l'autre remarque encore, quand le doyen a conclu, pour le dire que le commissaire du gouvernement n'a pas conclu, vous ne pas présenter, comment vous le concluez? Il va présenter, honorable doyen, comment vous le concluez? Ça vous doyen en fait, c'est appliquer l'article 87 du code de procédure civile. 6 heures.
Et l'autre côté, pasteur destiné, c'est Pierre, révélé, non, pasteur Gérald Bataille et Gérald Forge, lui-même, pendant de ce qui a joint, juge d'instruction Gary Aurélien, cap travail à ce dossier, ça. Non, ça, ça, en attendant, yo, aller, non, appel pour casser mandat président réseau protestant, cap défendre droit mounio, mandé organisation droit mounio, l'ouvri, géo, sous dossier, si là. Destiné, c'est Pierre, persuadé, dossier, ça, pas gain, rien pour louer, acte à justice. C'est plutôt, ben, c'est question politique. En côté, et pasteur destiné, c'est Pierre, à micro, Jean-Philippe Marseille. Non, ça, ça, nous tout le clair, chers amis, membres de la presse et membres de la communauté nationale et internationale, c'est pas affaire droit ni justice qu'a réglé là, parce que, monsieur, tenez-vous bien, non, réquisitoire déformé dans le dossier au sommet cabinet d'instruction, non, pasteur Bataille, pasteur Foch Paladol. Il parle donc, ça va dire que c'est pas à faire justice qu'a réglé là. Ça qu'a réglé là, son bagage politique. Parce que M. Sao te prend des positions déjà dans le pays, ça, c'est au pays. Dans ce sens-là, nous faisons appel à toute organisation nationale, internationale, défendre droits humains, pour nous dire, jetez un coup d'œil sous dossier ça, prends dossier ça, parce qu'il s'agit bien de persécution politique et de violation de droits et libertés. Pasteur Forge et Pasteur Bataille. Et là, ça nous dit, équipe avocat nous a continué à agir sur le dossier. Oui, nous prenons en appel. Nous prenons en appel parce que nous croyons la loi a triomphé dans ce pays. Pasteur Louis-Vio Duvernat, qui a dirigé le groupe de suivi en contre 4 décembre, nous continuons à demander autorité judiciaire au retirement d'ailleurs mettre des pasteurs Gérald Bataille et Forge qui paguent rien pour un dossier assassinat Jovenel Moïse. Pasteur Duvernat, bah, semaine, ça pour retirer mandat, sinon il y a penché la prière comme celles âmes secteur protestant qui a utilisé contre autorité judiciaire. Dossier politique, gain président Renkwa Joseph Lambert dit li pa nan aucun cohabitation qui pas respecté constitution. Joseph Lambert fait qu'on est maman loi pays à clé si on pouvoir deux têtes qui demeurent bac payant. Pendant le fait quoi, c'est lui-même qui homme d'état moment qui a expérience l'état qui est capable de diriger pays à mettre sous sa liste. C'est le monde qui a réuni tout secteur dans la vie nationale là. On côté Joseph Lambert dans le micro, Peter Sondblaise. Pas une personne qui est capable de dire Joseph Lambert va sénateur aujourd'hui. Pas une personne qui est capable de dire pouvoir exécutif là pas exister parce que même dans le nom il est là, c'est le pouvoir judiciaire est là, le pouvoir législatif aussi il est là, et en plus les plus solides que tout pouvoir pour être ça parce que il y a 10 sénateurs légitimes en donne. C'est clair pour nous dire toute cohabitation avec ça qui est constitutionnel pas Joseph Lambert va garantir là-dedans, et je dis bien, je précise, toute cohabitation, sous quelque forme que ce soit, avec quelque soit profil politique que ce soit, pourvu que n'est pas cadré avec les prescrits de la Constitution, je ne vais pas rentrer là-dedans. Parce que la Constitution dit très clairement que le pouvoir exécutif, et je le dis aussi aux amis de l'international, pour me dire et que le pouvoir exécutif ici, en Haïti, est un pouvoir bicéphale. No way, bicéphale. Il faut avoir une posture de chef, une posture de leader. Moi, je veux avoir cette posture. Mais je veux aussi m'entourer d'un ensemble de monde qui a des colonnes vertébrales droites pour que posture ça. Et pour faire plus solide. Je pense qu'en ces temps difficiles, il faut à la fois ce leader tenace, coriace, expérimenté, et puis revêtu du sceau de la légitimité populaire. Et je suis un élu. Je ne peux pas aller là comme n'importe qui. Je suis élu. Je peux parler au nom du peuple. Je bénéficie d'un mandat populaire. Et pas tout le monde qui a dit là, qui faut venir parler au nom du peuple. Le peuple va avoir légitimité ça pour venir parler dans nom. C'est une nuance importante. Parce qu'à chaque fois que vous avez parlé ici, vous avez parlé dans nom du peuple. Mais bon, je crois que dans l'élection, tout, pour le peuple, bon mandat pour venir parler dans nom. Même à l'élection, le peuple a un mandat pour venir parler dans nom. Mais tellement d'institutions, il est élu comme président du Sénat. D'abord comme sénateur. Deux. On prend un vote au suffrage universel direct. Et puis deux, on prend un vote au second degré au niveau national. Et ce sont l'ensemble des votes cumulés des sénateurs de la République qui élument comme président sénat. Et troisièmement, il y aurait ben moins confiance encore, dans réélume encore comme président provisoire parmi ces seuls 10 élus légitimes qu'il y a dans ce pays sur plus de 6 000. C'est un argument de taille. Et ça, c'est du costaud.
Voilà, déclaration président Tires Sénat. Joseph Lambert toujours dans occasion féliciter résolution Sénat et puis accord plusieurs partis politiques qui choisissent comme président provisoire payant. Joseph Lambert a fait connaître un compromis politique qui est capable de retirer payant dans la crise trouvée le dernier temps saillé. Et l'ici destinant a profité occasion pour le critiquer ancienne administration Jovenel Moïse dans l'idée qui peut travailler pour te rendre institution fort pour te éviter vide institutionnel si là. En côté Joseph Lambert micro Radio Méga. Lutte politique pour Jovenel là, doit montrer nous niveau faiblesse de l'État, il doit montrer nous qui ça qui était encore comme résidu dans l'État, côté nous pas même une institution qui debout, qui était capable de décider, mais qui vient pour nous remplacer président Jovenel. Dilemme. Tracas. Et c'est ainsi qu'aux jeunes, ont ensemble d'initiatives, quatre points. Première initiative, le Sénat de la République, qui est même dans résolution, le seul qui est capable et qui gagne légitimité de désigner un des leurs comme président. Il y a les partis politiques les plus influents au niveau national qui, à l'intérieur de ça que auraient les protocoles d'entente nationale, peine qui gagne là-dedans à la fois les partis de l'opposition, les partis du pouvoir qui eux-mêmes prennent des décisions pour appuyer le choix porté sur le président du Sénat comme président provisoire. En fait, nous pensions que nous étions dans un tunnel là, on n'était pas encore là. Et au gain, ensemble de l'autre groupe regroupé au sein de la société civile, qui eux-mêmes prennent des initiatives tout. Et ils produit un document, ils fait une proposition. Une proposition aussi sérieuse que proposition peine qu'il faut prendre en compte. Et à ce moment précis, on a évité, on a invité un ensemble d'acteurs pour ne pas frapper l'estomac, puis on dit c'est nous-mêmes qui gagnons autorité pour désigner X ou bien pour désigner Y, ou bien pour rejeter X ou bien pour rejeter Y. Nous avons toujours été avec le président Tires Sénat qui m'a demandé pour respecter la volonté de la population qui plaide en faveur de l'exécutif à deux têtes. Et ici, des salariés, les Corées, peuple, qui a demandé un président provisoire pendant qu'il a profité, critiqué pour le ministériel, un cas pour mettre l'exécutif avec une seule tête qui est donc lui-même seulement en haut pouvoir. En côté, une autre fois, Joseph Lambert, toujours dans le micro, Peterson Blaise. Le peuple haïtien parle, dans la grande majorité, il dit, il y a un système politique qui aller dans le sens constitution nous dicter non. Il dit bicéphale. C'est bicéphalie que lui-même dit qu'il a dans le ils vont exécutif bicéphale. Et je suis pour un exécutif bicéphale. Je plaide pour un exécutif bicéphale. Je suis derrière un exécutif bicéphale. C'est ma voix. C'est la voix à suivre parce que c'est la voix réaliste et c'est la voix constitutionnelle. Le premier ministre, Ariel, semble avoir perdu le pôle nord. Parce qu'il s'acharne derrière San de Carrelé, un exécutif monocéphale. Plein pouvoir n'emmène pour le marais tant qu'on débat. Alors que, exemple récent, prouvait que l'homme a trop de pouvoir dans le monde, a des difficultés de gestion. Ou pas qu'à gérer, l'homme a trop de pouvoir dans le monde. C'est l'équilibre pouvoir qui est capable de faire San de Carrelé, les résultats pour espérer. Premier ministre Ariel, non, monocéphale. Je ne suis pas avec le premier ministre Ariel derrière ce projet monocéphale. D'ailleurs, à ce niveau-là, je ne peux avoir de projet politique avec le premier ministre Ariel à ce niveau-là, parce qu'il s'écarte totalement de la Constitution. Et tout le monde qui veut suivre ça, il y a un plus haut pour l'histoire, jugé comme politique. Et ce n'est pas la voie à suivre, parce que ce n'est pas la voie constitutionnelle, et ce n'est pas la voie politiquement réaliste. Et il y a deux. L'autre courant, c'est le courant du PEN, qui croit qu'il faut un exécutif bicéphale. C'est le courant aussi de la société civile, qui croit qu'il faut un exécutif bicéphale. Voilà la déclaration sénateur Joseph Lambert hier dans le cadre de la conférence pour la presse à Culte Baye dans un hôtel dans Pétionville Nabdi dans Salan et qui présente diverses personnalités publiques à Takou et qui présente maître Renaud Georges qui était présent dans sa conférence là qui gagne une responsable parti politique fusion maître Mozart Clérisson qui était présent dans sa conférence là qui présente ton ancien sénateur Yuri La Tortue, ancien député Arodo Bien-Aimé qui était présent dans sa salle, t'es gagné Abel de Colline qui était présent tout, sans pas oublier, gagnant ancien sénateur, lui Gérard Gilles qui était présent
dans salle conférence ça veut dire qu'on ensemble de gros monde acteurs politiques sur scène qui était présent qui était présent dans salle là et qui était vinn on dit Corée hein Corée Joseph Lambert c'est pas comme si il va journaliste ça veut dire pas information de vinn quoi vinn Corée Joseph Lambert et présent dans salle là monsieur livre les paquet parole c'est tout dans salle là un paquet posé représentant acteurs le diable de colline ou Abel de colline ensemble avec Aoud de Bien-Aimé non ou Abel de colline d'être ensemble et puis Kadoa de même pour Aoud de Bien-Aimé pour FND reprendre Kadoa tout et Aoud de Bien-Aimé qui quoi c'est énorme comme ça si c'est pas tromper moi et mais le bon est encore le Georges tout hein le Georges qui présent j'aime dire mais dire le Georges pas capable là pas capable là et le Georges pas j'aime quitter bateau à couler avec c'est normal le monde elle va jamais quitter bateau à couler ensemble avec vous comprenez faut toujours assurer que les faut l'assurer que li gétait ici colle dans bateau qui peut le couler là elle gétait ce qu'elle gétait dans l'autre quand bateau pour le cas aller tenir c'est pas d'ailleurs même et c'est ça selon le monde non et les avait essayé comprendre présence maître Renaud Georges dans sa conférence ça côté président Sénat Joseph Lambert les mêmes l'état bail ailleurs n'a toujours été dans le même dossier ça qu'un exécutif réseau national qui a défendu Amounio Pierre Espérance qui est dénoncé comportement antidémocratique à Silayo qui a tenté écraser l'activité commission société civile là notamment Montana Pierre Espérance regrette certains acteurs continuent à agir en groupe on y est si il n'y a pas d'accord une initiative faut l'écraser devant ça doit Amounio lancer un appel pour mettre intérêt mesquin sous côté pour gêner encore politique pour défendre intérêt national non devant ça doit Amounio critiquer certains acteurs les dit qui étaient choisis Alcita Palais parler à quel premier ministre Ariel Henry qui s'est continuité PHTK en côté Pierre Espérance. Commission est au courant depuis semaine passée, tu as une réunion à faire pour craser l'activité lundi 30 août 2021 qui a débouché sous signature accord. Heureusement, la commission est vigilante et tu as des gens qui sont pour volontaires et ils ont là, ils ont identifié les gens qui font des audios. Eh bien, ils sont venus, les gens qui sont arrivés, accord à signer, ils ont campé l'activité au continent. Temps. Mais après ça, c'est dans le même espace la commission a continué réunir, libre à la conférence pour la presse, Yoshita et l'autre nous venons, nous continuons à signer. Donc, nous déplorons ce qui est passé là, mais à quoi signer? À quoi signer et nous continuer à venir signer? Pratique ça, nous n'est pas bon. Ou, sont pas d'accord avec vos bagailles. Ou pas la donne. Mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord et puis sont pas la donne, pas gagné. Parce que pays, nous sommes peut-être beau en Haïti, en pays, nous pensons que nous sommes en pays, nous pensons que nous sommes tout bagaille yo capable de faire ça ou le. Mais les comportements ça yo, c'est un comportement mesquin parce que yo gen intérêt mesquin qui a défendu. Donc qui a intérêt population. Ancien sénateur yo la tout fait exprimer réserve li sous mécanisme commission qui a cherché une solution de crise haïtienne pour te procéder avec si a ti yon série parti avec regroupement politique dans le cadre rapport commission coordonnateur international AA yo la tout dit yo pas écarté possibilité pour dialoguer avec membre commission dans intérêt peuple haïtien li fait connait yo clair sous ça y a gain pour remettre yo faire de route avec équipe cap gain pour prendre tête transition cap gain la d'information yon nouveau conseil électoral provisoire réalisation différents procès yo un côté ancien sénateur Yola Tortue dans micro Blaise Peterson. Nous pour dialogue là, nous gain réserve sur mécanisme que commission fait et nous étions attachés à protocole d'entente. Nous pas de problème sous feuille de route mais c'est sur mécanisme de choix nous défin attendre, yo modifié là la dernière minute dans commission qui fait que jodi a réserve ça yo, groupe là a réfléchi sur yo. Nous voulons je l'entente pour y mais ça la petite si on bagaille, faut que nous sûr que nous à l'aise. Mais des réserves, si y a des réserve, faut que nous disions, mais pour qui ça que nous pas arriver font seul. Juste vendredi, nous avons discuté avec la commission à travers Magali pour que nous arrivions, je nous entends. Malheureusement, samedi, texte qui sortit, qui va refléter, ça nous a entendu sur mécanisme. Mécanisme, nous avons allégé, ok, et l'heure qui sortit, il n'y a pas respecté ça, nous avons dit. Donc, sur l'accord, il n'y a pas de problème. C'est un très bon pas, mais nous avons des réserves sur le mécanisme. Moi-même, je pense qu'il faut nous rencontrer, il faut nous dialoguer. Jean-Sénateur Lambert dit, réserve, c'est que, au départ, il y a moins que 30 personnes qui sont doués à faire choix au niveau du mécanisme. Et à quoi là, le soutien à environ 52 personnes. Ce que nous te dit, si on n'a pas regroupé les partis politiques, on prend un pile de monde. Et si on a un pile de monde, ça veut dire,
il est plus difficile d'application. Donc nous-mêmes, nous avons dit que le mécanisme ne devrait pas dépasser 30 personnes, l'organisme de contrôle. Nous avons entendu ça, mais là, le sortir parce que c'est à 52. Donc, magasin, m'obliger à garder, justement, pour qui ça, problème ça, nous obliger à garder, eh bien, avec l'autre monde, et pour qui ça y aller dans la direction que nous-mêmes nous avons dit qui n'est pas bon, et dans ce sens-là, ce n'est pas que nous allons réunir, ce n'est pas que nous allons jouer dans le plan. Mais pour le moment, nous pouvons qu'à rentrer la donne, vu que bon, modification de dernière minute. Combien d'organisations politiques et syndicales populaires fait qu'on ait supporté à toute force sur démarche commission en prend pour chercher une solution à crise qui a brassé le pays à dernier jour. Docteur Enol Buto, qui c'est membre, combien l'a expliqué, c'est à cause de démarche à Pachita sur le monde, qui pour membre commission nationale transition, pour faire bien, qui cause que ensemble notre acteur au même gain, comportement si là. En côté, Enol Buto, dans micro collaborateur, nous, Alix Gauthier. Combien l'a adhéré totalement à accord qui s'y est de cette là lundi 30 août. C'est pas parce que Kobitla gagne ni en préférence, ni en ami, ni on d'Acadie, sur table, on a le cosmétique comme son bagage qui semblait mettre tout le monde ensemble. Non. Mon point fondamental qui a attiré Kobitla, la dynamique, ça, pas même parler seulement de l'accord là, non, on va parler de dynamique là. Et ça, d'ailleurs, que toute population a fixé sous lui à travers Zambi la presse qui là, c'est une démarche qui n'est pas fixé sur la personne, n'est pas fixé sur l'individu, n'est fixé sous construction ou ensemble de outils qui pour permettre nous aboutir à un mode de gouvernabilité, à un mode pour nous gouverner pays. Que nous, pas nous, on va parler de moi, on va parler de haïtiens en général, nous tous ensemble pour nous diriger pays. Tout l'autre monde, tout l'autre secteur, toute l'autre dynamique qui besoin rentrer dans des démarche de centrer sur la personne, c'est un bagage justement personnel et apprécié. Ma passe dans le deuxième point que ma vie fait, qui pour moi est important. Et politique, c'est un acte, c'est une activité noble que je dis. Donc politique, il doit une activité côté que ou dédié majorité de temps, majorité de vie, à que on joue pour capable dédier à la prise en charge de la direction de l'État pour capable changer mon mieux. Sous bon pas, la police José Mélé dit, yo pas fait back dans la bataille pour jouer une solution à la crise là. Dans ça, ça lui fait qu'on est combien la portée initiative ça sous dole. Police Mélé encourage tout acteur pour continuer sien. À quoi ça l'été qui prend l'ouvrir porte pour pays à. Toutefois, l'encourage camarade de notre secteur démocratique à populaire. Et puis, marcher pour la vie pour jeunes. On a démarché ça. On écoute José Mélé, n'aime quoi, Alix Gauthier. Combien à porter à quoi ça sous dole? Parce que c'est à quoi ça ouvrir porte pour changement qui peut faire bander. Et que, accord si là, il n'y a pas accord ni commission qui te permet que les jeunes, il n'y a pas accord compite, il n'y a pas accord en groupe, c'est accord pays allié. C'est accord peuple allié, c'est les outils de combat peuple là. Ça veut dire qui ça? Tout le monde je dis, qui n'a dynamique pour nous guider un pays que nous devons vivre, un pays côté kidnapping par la règle, corruption par la règle, on peut dire que le peuple n'a qu'à vivre, tout le monde, nous avons le minimum, nous tous, ça n'a pas été lié.